Tous. Alors pour ce tutoriel, vous aurez besoin d'une petite tasse en breloque, hein, comme vous souhaitez, de microbilles. Donc vous pouvez prendre des différentes, hein, comme celle-ci, voilà. De déco 3D ou de chantilly qui sèche à l'air libre et de cannes. Donc vous allez commencer par préparer les cannes que vous souhaitez utiliser. Voilà, donc moi je vais utiliser celle-ci. Ah non, pas celle-ci. Je prends de la banane. Donc attendez, hein. Prenez ça avec une pince à épiler, ce sera beaucoup plus facile. Ou alors avec votre bout de scalpel. Je sais pas en fait. Parce que c'est la première fois que je fais. Voilà, donc. Si, prenez, hein. Essayez de... Donc là, nous sommes en compagnie de Lilian Lot, qui est là pour regarder ce que je fais. Donc voilà, je vais en prendre qu'une, hein. C'est le, on va dire, plus simple. Une canne, voilà. Vous allez préparer les couleurs de microbiques que vous mettrez. Donc moi, je vais prendre celle-ci. Et donc, on va commencer. Ah oui, et aussi, si vous voulez, de la décomète. Hein. Moi, je vais prendre... Tu peux me donner l'embout, s'il te plaît? Voilà, l'embout là. Donc, pour ça, voilà, je vais enlever. Voilà, je vais mettre mon embout chantilly. Avant. Testez d'abord. Voilà, prenez un papier. Voilà, comme ceci. Hein, et là, et prendre votre petite tasse et voilà, comme ceci. Voilà, mettre de la chantilly. Alors, si vous avez des cure-dents, va me chercher un cure-dent, s'il te plaît, Lilian. Des cure-dents, tu sais ce que c'est? Vite. Hein, donc là, vous voyez, il y a des fois des petits trous. Alors, prenez un cure-dent et voilà, caché. Hein. Donc, le cure-dent, après, vous le cassez, vous le mettez à la poubelle. Comme ça, vous en gardez un bout. Oh là 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 là. Je suis vraiment désolée que ça se passe comme ça. C'est la première fois. Ensuite, vous allez prendre votre canne. Donc, moi, je vais prendre ça. Hein. Je vais la mettre. Voilà, donc c'est la première fois que j'en fais. Alors, on va dire, soyez indulgents. Voilà, donc je vais prendre mes microbilles. Je vais en prendre que quelques-unes. J'en ai pris beaucoup plus d'une. Donc je vais en mettre. Voilà. Voilà. Oh. Voilà. Bon, bref. On va dire que c'est bon. Voilà, donc rangez directement vos microbilles. Ne faites pas comme moi, c'est un petit conseil. Voilà. Voilà. Et ensuite, prenez votre coulis décomète. Il ne faut pas que ce soit un coulis fimo, car ça, rien ne se passe au four. Voilà. Et sur, en fait, les petits traits comme ceci, vous allez mettre ça. Et là, vous allez en mettre un peu sur... sur ça, et voilà. Donc en fait, c'est un tuto très simple. Voilà. Donc je vais reprendre une petite tasse. Donc désolée pour le bruit, en fait. Je suis vraiment désolée. Voilà. Non, j'en ai pas beaucoup d'huile. Voilà, donc je vais en faire une deuxième, sachant que j'en ai mis 4. Donc je prends ça. Je prends ma chantilly. Et j'appuie, voilà, donc je mets ma chantilly. Alors là, vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux, hein, déjà, hein, car voilà, je sais comment faire. Donc cette fois, je vais mettre une petite tranche de citron. Voilà. J'arrive, je la prends. Donc, je vais la mettre ici. Voilà, comme ceci. Voilà. On en fera après de la fimo. Donc je vais prendre des microbilles bleus cette fois-ci.
Non, ça ne se cuit pas. Bah, c'est pas de ma faute, ça se cuit pas. Ah là 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 là, les garçons. Voilà. Ça ouais, sèche? Cette fois, ouais, ça sèche à l'air en fait. À l'air libre. C'est pour ça que ça va falloir que je vienne me dépêcher en fait de le finir. Voilà. Et là, je vais mettre mon Decomate au chocolat. Là, je le mets en fait un peu sur la pointe. Voilà, comme ceci. Et comme ceci. Et voilà, donc ce tuto est fini. Donc pour faire des petites tasses comme ça. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Bye bye. Et donc ça, ces achats, je les fais je les ai fait à Colori. Alors allez voir mon haul. Voilà. Et donc bye bye.